أجندة سنتي. اهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس الكل. هذه الماجازين سونتي 2.0 كالعاده من 11 حتى 11 ونص نعود ونحكيوا على اهم التظاهرات العلميه والطبيه في تونس الكل بتاريخ 22 مايو في اطار الاحتفالات بشهر ليبرتونسيون عن ان اوميتينغ من تنظيم الجمعيه التونسيه لطب وجراحه القلب والشرايين. باكثر التفاصيل سعداء باستقبال وحديثنا لليوم مع الدكتوره ليليا زخامه رئيس جمعيه التونسيه لطب وجراحه القلب والشرايين. دكتوره اهلا وسهلا. عسلامة، مرحبا بكم الناس الكل وعيدكم مبروك إن شاء الله. علينا وعليك دكتور. كجمعية تنشطوا برشا، داير نهار لحد البارح كان عندكم نشاط وبريفيو نهار 22 ماي في إطار احتفالات بالموا دو ليبرتونسيون عندكم ان او ميتينغ في تونس de l'hypertension artérielle. C'est ça. Au fait, puisque tout le mois de mai est considéré comme mois de l'hypertension artérielle, c'est ma barche à manifestation pour le personnel de santé. Comme l'hypertension, qui m'attarde, elle touche pratiquement toutes les spécialités. C'est l'hypertension par excellence, les médecins de première ligne, pratiquement. Les médecins spécialistes, que ce soit des cardiologues, des néphrologues, des internistes, des endocrinologues, des nutritionnistes. Donc ça intéresse beaucoup de spécialités et c'est très important. Donc on a beaucoup de manifestations communes et derrière toutes ces spécialités m'abattent. Donc احنا في جمعية التونسية لطب وجراحة القلب والشرايين عملنا des manifestations déjà. Il y a eu un podcast pour qui est modéré, animé par des jeunes médecins. Il y a eu le webinar hier 16 mai, un webinar à la ZEDA qui était très intéressant à la des gaps in evidence de l'hypertension artérielle, où on a parlé est-ce que il y a encore une place à la mesure de la pression artérielle au cabinet, quel est le meilleur timing pour chaque molécule d'antihypertenseur, est-ce que 140-80 mm de mercure n'est pas un peu trop élevé pour l'insuffisant rénal. C'est un webinar très intéressant. Et Habib Namlou que Machat le mois de mai, c'est la journée scientifique. Elle est un meeting de l'hypertension artérielle. Au fait, journée elle est organisée en commun, mais bien la SOMED FSI, l'association médicale des hôpitaux des forces de sécurité intérieure, et la Société tunisienne de cardiologie et de chirurgie cardiovasculaire. La journée de l'hypertension, déjà, elle est à sa troisième édition en 2018 ou 2019, et c'était des éditions vraiment très réussies, alhamdulillah. Et j'espère que cette fois-ci, malgré elle est en digital, malheureusement, avec la Covid, elle touche beaucoup de monde. Elle est vraiment dans le pratique du pratique, la pratique de tous les jours pour les médecins qui s'occupent de l'hypertension artérielle. Même des sujets, le programme même des sujets qu'on traite, c'est des sujets de tous les jours. Ce n'est pas vraiment des études futuristes ou la hajet et l'imandnesh fiha pitounes ou la haja. C'est mon malade, il est devant moi. Qu'est-ce que je vais faire pour mon malade pour améliorer son pronostic, pour améliorer sa qualité de vie? Et ça, c'est très important. Et comme Ahna, dernièrement, en mars 2021, il y a le référentiel de l'hypertension artérielle, KenSMAT, qui a été fait par la société de cardio avec l'INEAS, avec l'instance nationale d'accréditation et d'évaluation en santé, et avec la CNAM. Il y a même un guide pratique de l'hypertension artérielle. L'hypertension artérielle, elle est prise en charge chez Tounes. Les traitements, les femmes chez Tounes. Les structures sanitaires à Tounes. C'est pour harmoniser les pratiques, pour essayer de contrôler un peu cette ce fléau, cette hypertension artérielle. Donc, on a fait le meeting, il tourne autour du référentiel. Il y aura des ateliers. La manifestation, ça sera pour le samedi 22 mai.
لين دانسكريبسيون تاع يهبط اليوم pour vous inscrire mais تنجموا حتى معناها تدخلوا le 22 mai vous pouvez y participer sans aucun problème راهو تدخلوا vous pouvez y participer ça commence à 9h du matin il y a des ateliers basés sur le référentiel de l'hypertension justement où تشوفوا حتى les intitulés sont faits معناها de façon اللي vraiment c'est les cas qu'on rencontre réellement qu'elle n'article un des intitulés Madame Fatma et sa famille arrivent aux urgences pour une pression artérielle à 220 sur 110 mm de mercure. Qu'est-ce que je fais ? C'est tous les jours. La science nous dit qu'est-ce qu'on doit faire et la pression de la famille et des patients nous font faire des conduites qui ne sont pas bien prouvées scientifiquement. C'est pour insister sur l'importance de faire des conduites bien qui sont bien prouvés scientifiquement. Mmh. Et puis il y aura des conférences, il y aura des ateliers Khorine Zedalachia. J'insiste, la chose intéressante c'est que ces ateliers seront interactifs, donc tout le monde pourra y participer. Il y aura des QCM tout le long de la manifestation, et donc on doit répondre. C'est interactif, on doit répondre, on peut poser des questions, on répond à vos questions et en plus des quiz qu'on va mettre tout le long de la journée. Il y aura des prix, bien sûr, intéressants à la fin de la journée. Mmh. Donc j'espère vraiment qu'il y aura une belle présence. Al-Khatr, vraiment, le programme est très proche du terrain, de la pratique de tous les jours. Et ça va intéresser, je suis sûre, tous les médecins de première ligne et les médecins spécialistes qui s'intéressent à l'hypertension. La date, ça sera pour le 22 mai. Le 22 mai. Mmh. Ça sera le 22 mai à 9h. Bech, tout le Najmo, tout le à la page Facebook, meeting HTA 2021. Il suffit de mettre meeting HTA 2021. Sinon, on publie, Inch'Allah, le lien sur le Facebook de la Société tunisienne de cardiologie et de chirurgie cardiovasculaire, ZEDA. Vous pouvez écrire STCCCV. D'ailleurs, tu as le lien à la page officielle Facebook, Radio Al Hayat, FM, docteur Lilia Zakhama, Raïs Jamaï, Tounsaya, Litab, Wajirahat, Al Qalb. Qu'est-ce madame Je vous dis qu'une manifestation aura qui est très intéressante pour les médecins qui s'occupent d'hypertension. La Société tunisienne de cardiologie, on a créé une chaîne YouTube, STCCV Educational Channel. C'est une chaîne YouTube qu'on a créée depuis pratiquement 3 mois à Tawa. Et il y a des capsules, des capsules de 15 minutes. À travers un cas clinique, on parle des conduites, des recommandations pour les simplifier et les diffuser au niveau de tous les médecins. Ou parmi les sujets, il y a qu'il y a un barcha qui m'a dit, pratiquement 4 capsules, je ne sais pas si vous avez des choses. يلاقيوا نجاح به تدخلوا للشين يوتيوب تكتبوا STCCV على اليوتيوب ولا تنجموا تدخلوا لها à partir de notre site web نتاع Société Tunisienne de Cardiologie et تدخلوا فما دي كابسول de 15 minutes à peu près اللي فيها نوضحوا شنو هما لي ريكومونداسيون و كيفاش on peut les appliquer pour nos patients pour améliorer leur prise en charge وان شاء الله زاد مدام في قادم الايام مع راديو الحياة FM هكا ساسخا بصفه دوريه او موان Madame, destinée bien sûr pour les docteurs ou les auditeurs, les Qadin, Yasmofina, un grand merci, les Kenti, docteur. Un grand bravo pour vous, Al-Khatr, vraiment une chaîne qui s'occupe de tout ce qui est santé et médecine en Tunisie. C'est vraiment à encourager très très fort. Bravo. Lilia Zakhama, Raïs Jamaï, Tounsaya, Litab, Wajirahat, Al-Qalb, Wacharin, Shkrouk, Al-Tadaklik, Mana, Hevi Kent, Dal, Habina, Naki, Walab, Benesba, l'agenda santé, Benesba, Liliou. Agenda santé.